Eh bien, la petite plante que j'ai le privilège de présenter maintenant, c'est celle que l'on voit ici. Il s'agit de Takase apiculata. Alors, Takase apiculata est un arbuste hein, qui peut atteindre 4-5 mètres de haut, mais aussi c'est une plante grimpante. Donc le pied est assez volubile, ça peut s'enrouler autour des arbres. Et donc en ce moment, sa hauteur est quasiment indéfinie. D'ailleurs, on peut voir sur le tronc qui est là, on peut voir toutes ces lianes qui pendent. Ce sont les lianes de Takase apiculata. On voit ces fruits très caractéristiques là, sous forme de follicules opposées, follicules doubles. Et là, on voit ses feuilles. Dans le cas présent, il s'est enroulé, monté comme une plante grimpante autour d'un pied de Mitragyna inermis, qu'on a décrit déjà dans une autre vidéo. Et donc, toutes ces lianes que l'on voit là, comme si on les avait tressées, toutes ces lianes, là en particulier, c'est enroulé et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça a trouvé ce support, mais il peut se débrouiller tout seul en faisant donc des buissons, hein, des arbustes. Mais s'il trouve un support, alors il est très content aussi. C'est un arbuste que l'on va retrouver, disons, dans des forêts tropicales assez denses, mais on peut trouver en zone sahélienne aussi, hein. Comme c'est le cas ici en particulier, dans des endroits assez humides, hein, le long des ruisseaux d'eau. On voit de l'eau derrière là. Et donc, dans cet endroit humide, dès que l'opportunité se présente dans la forêt galerie, on va voir pousser dans cette plante. Et nous allons voir d'ailleurs, à partir de ces graines, que les graines ont la capacité de s'envoler, pour ainsi dire, dans l'air, hein, pour se disséminer dans la nature et donc pousser dès que l'humidité est suffisante. Bon, donc, on voit les lianes. On va considérer un pied en particulier pour décrire un tout petit peu ses caractéristiques. On peut voir là, hein, sur ce jeune pied, hein, en particulier, les caractéristiques du pied. La couleur que l'on peut distinguer, disons, c'est une couleur, on va dire, grise, hein? Une couleur grise, avec des lenticelles, c'est-à-dire des petites taches de couleur, hein, des petites taches de couleur, disons, marron, orangé, et de forme un peu ovale. On voit ces petites taches là, ces stries. Hein, c'est un peu, on peut dire même que c'est moucheté, hein. Et donc, sur les pieds un peu plus âgés, c'est encore plus visible. Nous allons considérer un de ces pieds. Donc, on voit ici un autre pied qui va trouver un support hein, sur un arbuste. Mais si on regarde bien, on voit là les mêmes caractéristiques, hein, c'est moucheté. Disons même lenticellé avec ce petit point. Mais la couleur de base est quand même une couleur grisâtre. Et donc ce pied forme même liane, une longue liane. Si on suit en particulier celui-là, on peut voir. C'est une longue liane. Là, je vais soulever. Qui part, qui part, qui part, qui part, qui part, qui part. Qui s'enroule. Hein, là, là. Là, on se croirait dans un film de Tarzan, hein, parce que ces espèces de lianes que les singes utilisent pour se balancer d'un arbre à un autre, hein, donc ça monte, ça monte, hein, ça monte, hein, jusqu'à s'enrouler, jusqu'à la cime, même au sommet, plus au sommet de cet arbre que vous voyez là. Hein, et donc, en ce moment, sa hauteur, c'est
c'est la hauteur de l'arbre support, quoi. On voit là cette autre liane, hein, la tige, qui part du même pied. Hein, et donc, il ne s'est pas enroulé sur l'arbuste ici, mais qui fait son parcours, son chemin, qui vient là, qui traverse en quelque sorte la route. Hein, et donc, il va s'enrouler à toute occasion, tout ce qui se trouve comme arbuste à côté, mais qui va viser très haut, pour venir s'enrouler, comme on peut voir ici, autour de ce Tadas Directa Indica, hein, ce nîmes que l'on voit ici, tandis que de l'autre côté, il y avait une branche qui était partie plutôt sur Anogeissus Leucarpa. Et donc, ça monte, et voilà, et ça va faire en ce moment ces feuilles. Oh, on voit qu'ici, c'est plus ou moins dégarni, hein. Il y avait des feuilles avant, on peut voir l'ancienne trace, hein. Il y avait des feuilles, mais finalement, qui sont tombées. Et on obtient une sorte de corde qui est utilisée dans les forêts denses, hein, par les singes en particulier, pour se balancer d'un arbre à un autre. Et en fait, cette plante se rencontre, on a dit, dans toute l'Afrique intertropicale, mais surtout dans les endroits humides. On l'a trouvée depuis le bas Sénégal, hein, jusque dans des endroits qu'on pourrait dire assez secs, comme à Tombouctou, mais vraiment le long des cours d'eau, dans les forêts galeries. Et en dehors de ça, dans la zone intertropicale, dans les forêts très denses, mais humides, on trouve en abondance aussi, hein, cette plante. Donc nous allons voir maintenant à quoi ressemblent ces feuilles. Nous allons regarder pour cela une feuille en détail. Donc, pour décrire les feuilles, nous allons considérer ce pied de Takase apiculata. On voit donc la tige, hein, qui s'est plus ou moins ramifiée dès la base. Et puis, ça forme ces espèces de sarments, donc de lianes, hein, qui montent, et qui vont trouver à la première occasion, qui vont trouver moyen de s'enrouler autour des arbres. Donc voilà, la liane qui arrive. Nous allons considérer là les feuilles, parce que ces éléments de feuilles sont très développés. Donc c'est bon pour caractériser ici, on voit la liane qui arrive. Et là on peut voir, hein, que en fait la feuille, elle se présente comment, hein, c'est opposé deux à deux. On peut voir très clairement ici, celle-là est opposée à celle-là. Celle-là, opposée à celle-là, et ainsi de suite. Ça aussi, c'est opposé à ça. Donc, c'est des feuilles opposées, même si parfois on trouve des touffes, hein, qui sont plus ou moins, disons, verticillées, c'est-à-dire disposées en cercle autour du rameau. Mais en général, la disposition est quand même disposition de feuilles opposées. Alors, cette plante, Tarek, Takase apiculata est très proche, hein, dans ses caractéristiques d'une autre liane, hein, de la même famille, famille des Apocynacées, hein, qui est Strophanthus sarmentosius. Mais il y a des différences aussi essentielles. Sarmentosius aussi a sur sa liane, hein, des espèces de lenticelles de couleur orange, forme ovale. Mais au niveau des feuilles, on peut voir déjà, le pétiole ici est beaucoup plus long, en fait, que sur Strophanthus sarmentosius. Le pétiole peut atteindre ici, il y a celui-là, 2,5 cm. Parfois, il y en a jusqu'à 2 cm celui-là. Mais bon, on peut voir ici aussi, hein, que 2,5 cm, donc 25 mm. Tandis que sur son cousin, disons sarmentosius, Strophanthus sarmentosius, le pétiole est beaucoup plus court. Il est de l'ordre de 3-4 mm de long. Donc ça, c'est une première caractéristique qui pourra permettre de les distinguer. Maintenant, si on prend la forme de la feuille, on peut voir que là, la feuille est, on prend cette feuille assez développée, elle n'est pas découpée. On voit
une extrémité un peu pointue là, qui est un mucron donc, là, une petite aiguille à l'extrémité. Et la forme, on peut dire généralement elliptique, hein, c'est-à-dire que forme d'ellipse. Hein, et la largeur du limbe, est quoi? On peut voir ici jusqu'à 7 cm de largeur sur 10 cm. Bon, pour ce qui est des dimensions des feuilles, il n'y a pas une grosse différence avec Sarmentosus. Hein. Alors, par contre, on va voir que bien souvent, donc, il y a plus de nervures secondaires ici. Voilà la nervure centrale. Nervures secondaires ici, il y a combien de paires? On va voir. Une paire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hein, 10 à 11, disons même parfois jusqu'à 12 paires de nervures secondaires. Tandis que chez son cousin, Strophanthus sarmentosus, il y aura beaucoup moins de paires de nervures secondaires. Ces nervures ne sont pas très visibles sur la face supérieure. C'est plus ou moins évanescent. En face inférieure, on les voit plus clairement. Donc face supérieure, couleur vert un peu foncé, tandis que face inférieure, couleur vert plus clair. Et là, on voit, les nervures sont plus en saillie là-bas. Sinon, ces plantes, hein, que ce soit donc celle-là, disons Takasi apiculata, ou bien même Strophanthus sarmentosus, ont un latex là. Les plantes à latex sont généralement considérées comme des plantes assez toxiques, mais aussi c'est des excellents produits de la phytothérapie, hein, c'est-à-dire qu'on les utilise abondamment pour soigner les maladies, parce que toxicité veut dire a priori que c'est toxique aussi pour les germes pathogènes, hein, même si, bon, bien entendu, il faudrait faire des études, des analyses un peu plus poussées sur ces plantes, mais il y a un potentiel là pour la phytothérapie qui est assez élevé. Et donc, les feuilles, on ne sent pas de poils là-dessus, hein, il n'y a pas de poils. Et même à l'œil, quand on regarde au soleil, il n'y a pas vraiment de son, donc c'est des feuilles glabres. Hein, c'est des feuilles glabres. Alors, donc, avec le développement, la plante va donner un peu plus tard des fleurs. Alors, malheureusement, ce n'est pas la période actuellement, nous sommes en novembre, et les fruits ont déjà été formés, mais on peut dire quelque chose sur les fleurs. Hein. Alors, bien qu'on ne les voit pas ici, les fleurs vont être très visibles, elles vont sortir surtout à l'extrémité des rameaux défeuillés. Donc quand la plante perd ses feuilles, les fleurs vont venir en ce moment. C'est des fleurs qui sont décrites comme des fleurs jaunâtres, dont la corolle va être conique et la largeur des fleurs peut atteindre 20 à 30 mm de largeur. Et c'est très caractéristique, avec un parfum assez agréable d'ailleurs. Maintenant, une fois que ces fleurs sont bien développées et fécondées, elles vont donner des fruits, qui sont des follicules. On va présenter maintenant les fruits. Donc on voit en particulier ici, hein, qu'il y a des fruits. Bon, bien sûr, il ne faut pas confondre notre liane, hein, avec son support ici, qui est un pileostigma reticulatum. Mais la liane s'est formée. On voit là, il y a un rameau qui arrive là, avec ses feuilles. Et puis on voit, il y a plein de fruits qui se sont formés là. On les voit, c'est très très visible, très caractéristique aussi. Hein? Ça forme des follicules opposés, hein, deux à deux, là. Et donc, le bout, on parle d'apex, est assez aigu, hein? Donc l'extrémité, assez aiguë, tandis qu'au point d'attache, c'est assez arrondi. Là où les deux parties vont s'attacher. Alors, nous avons fait descendre, bien sûr, ces follicules. Donc, on voit ici en particulier, hein, là, nous voyons encore de jeunes feuilles, là, qui sont quasiment à une disposition verticillée, c'est-à-dire en cercle. Et sur le même rameau, on voit les fruits, ces follicules. On peut donner les dimensions, hein, qui permettent aussi de distinguer Takasi apiculata
de Strophanthus sarmentosus, parce que les fruits sont beaucoup plus petits ici en réalité que chez Strophanthus, où ils peuvent atteindre facilement une longueur, les deux follicules vont atteindre une longueur de 20, parfois jusqu'à 30 cm de long. Donc imaginez, hein, celui-là à côté, c'est peut-être 3, 4 fois moins. Parce que quand on regarde un élément, on voit là, la longueur c'est de 6 cm. D'un bout à l'autre, on voit jusqu'à combien? 12, 13 cm de long. Et là, disons le diamètre, hein, là, 2 cm dans la partie la plus enflée. Et donc ces fruits ne sont pas striés ici, autant que chez le cousin Strophanthus sarmentosus, où on voit clairement des taches, ces mouchetés de taches oranges là-bas, que l'on appelle des lenticelles en fait. Ici, là, c'est légèrement strié, mais disons, c'est d'un vert en général assez uniforme. Hein. Et quand c'est vraiment en maturité, en ce moment, on voit, ça tourne sur du marron plus ou moins noirâtre. Hein. En ce moment, le fruit sec, voilà un fruit mûr ici, il est sec. Et quand on casse, hein, quand on casse, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve des graines. Alors, c'est un peu dur, il me faut peut-être le couteau. Alors, donc, je saisis un couteau pour essayer d'ouvrir la coque qui contient les graines. Et là, j'ouvre sur une génératrice. Et qu'est-ce que je vais découvrir dedans? Voilà. Je découvre là des graines qui sont munies d'aigrettes. Et regardez un tout petit peu, dès que je retire, alors ces longs poils qu'on appelle des aigrettes vont se disperser là, forment comme sur la tête d'un héron, n'est-ce pas? Ce bouquet de poils si beau, qu'on appelle aigrette, donc c'est des poils de ce genre. Et à la base, donc, on a la graine. On peut essayer de donner le diamètre hein, quand c'est ouvert comme ça. Et dès que ça sort, hein, c'est très très remarquable, dès que ça sort de l'enveloppe, et ça s'ouvre, ce qui facilite son envol d'ailleurs sur l'arbre. Hein, ça va s'envoler comme une sorte de parachute, et à l'occasion va retomber quelque part, dans un endroit humide, dans la forêt, et donc il y a un nouveau pied qui va se former. Alors on peut voir, on peut donner à peu près les dimensions hein, la largeur des soies déployées, de ces poils, longs poils, couleur blanchâtre, déployés, hein, et ça fait quoi? Ça va d'un bout à l'autre, ça peut atteindre facilement 4 cm de diamètre. Et donc là, ça peut facilement s'envoler. Voilà. Je souffle là-dessus, ça s'envole. Dès qu'on retire, voilà, ça s'envole. Et la graine elle-même, elle a quoi comme dimension? On peut voir là, la longueur de la graine est de l'ordre de, combien on va dire, 6-7 mm de longueur sur, encore que cette graine n'est pas très développée, sur 2-3 mm de largeur. Alors, donc, nous allons enlever. Une à une, vous allez voir, voilà, ça s'envole. Là aussi, ça s'envole. Et la couleur est marron clair, hein, pour la partie graine, ça s'envole. Et donc, parfois, lorsque vous êtes en train de vous promener dans la forêt, vous voyez voler, on a un peu l'impression qu'il s'agit d'insectes, mais il ne s'agit pas d'insectes. Il s'agit de graines de Takase apiculata, hein, qui sont en train de se disséminer dans la nature, cherchant un endroit pour se fixer. Pour la reproduction dès que les conditions d'humidité seront suffisamment bien réunies. Alors donc c'est une merveilleuse petite plante qu'il est bon de connaître et de conserver dans notre biodiversité. Et maintenant, peut-être ce que nous avons décrit là est c'est suffisant pour reconnaître cette plante. Hein. Mais peut-être un tout petit détail encore. Hein. On voit que les follicules là, les follicules doubles, eh bien, sont attachés à la liane par un pédoncule quand même, hein, une queue qui est assez longue, qui peut atteindre facilement quoi, 8 cm de long, hein, 8 cm de long. Mais encore une fois, sur le Takase apiculata, les follicules sont beaucoup moins longs, hein, beaucoup moins développés que sur Strophanthus sarmentosus, par exemple, où ça peut atteindre une longueur de 20, parfois jusqu'à 30 cm jusqu'ici.
Donc ça, c'est beaucoup plus petit. Et donc ceci devrait permettre de pouvoir reconnaître cette plante. Maintenant, on peut donner, n'ont pas trouvé dans la littérature beaucoup de noms, hein. On peut donner quelques noms locaux. Voilà, en fait, de noms, s'agissant de noms locaux, chez les Mossi du Burkina, par exemple, ils appellent cette plante, certains Mossi, hein, parce que il faut voir qu'il y a plusieurs appellations dans le pays, ils appellent ça Boyang Mwiri. Boyang Mwiri voulant dire, Boyang étant la chèvre, Mwiri voulant dire corde. Bon, allusion sans doute au fait que parfois la chèvre va prendre ses cornes à l'intérieur de toutes ces multiples lianes là que l'on trouve dans la brousse. Boyang Mwiri, ce qui traduit en malinké par exemple donnerait Bajuru. Bajuru, ba étant la chèvre et juru étant la corde. En ce sens que, comme j'ai dit, eh bien, la chèvre, quand la liane est très abondante, hein, elle peut s'entremêler avec ça. C'est un peu une allusion à ça. À ne pas confondre donc, par exemple, avec Strophanthus sarmentosus, qui est appelé en moré Yuabga. Mais ce n'est pas Yuabga que nous avons présenté dans cette vidéo. Alors, donc, bien sûr, il y a sans doute, hein, des applications en herboristerie. Mais dans notre documentation, nous n'avons pas pu trouver quelque chose à lister sur cette plante en particulier. Mais peut-être que certains vidéos spectateurs peuvent réagir en nous écrivant sur SOS My Tree ou même en réagissant directement dans YouTube et plaçant des commentaires. Voilà, donc ça c'est la fin de cette présentation.